de ces Madeleine 85 aujourd'hui. On se retrouve à Charpour pour la suite des aventures de Madeleine 85, enfin de Madeleine plutôt, le dresseur. Donc pour la suite, aujourd'hui mon couronné. Alors, ça va être sûrement un épisode extrêmement long hein, parce qu'on va tout faire. On va monter jusqu'en haut. J'arrêterai l'épisode quand on sera arrivé en haut du mont couronné, enfin à l'entrée du sommet. J'en ferai pas plus. Donc voilà, donc je vais à la boutique car j'ai besoin de me faire le plein de quelque chose. Ah, les potions max sont sorties, c'est parfait en fait. Wow, 500k. Alors, yes. Et hop là, ah, je me fais un paquet. Je m'en achète un max, j'en fous. Comme ça, je pourrais l'utiliser à volonté. Alors, aussi changement. Le cherche-vie sera pu enregistrer. On enregistre voilà, la bicyclette parce que je vais en avoir besoin pour monter. Alors c'est parti. Donc aujourd'hui, objectif mon crème. On va devenir montagnard. Madeleine le montagnard. Allez go. Hop là, c'est bon, t'es monté. Je vais affiner Pokémon, donc voilà, j'ai pris Musteflotte. Avant, on lui avait appris Éclatroc, comme vous pouvez le voir. Wow, trois attaques de malade. Et après, tous les autres, et ben voilà. Ça bugs doucement, ça bugs doucement. J'ai dû enlever Ponyta, hein. Glalopa plutôt. Ouais, je me fais pas encore que j'ai changé de Pokémon. Allez, c'est parti. En fait, je suis obligé de passer par là, parce que là-bas, il y avait, je sais pas si vous vous souvenez, un... Merde, je vais le mettre en pouce. Il y avait un passage, il y avait un moyen pour monter avec escalade. Et justement, c'est grâce à ce moyen-là qu'on va pouvoir monter. Et on va se faire tout de suite. Oh punaise, le max repousse, ça faut que j'y pense. Ok, il est 15h. Il est 15h pile. Donc n'oublie pas, hein, je vais pas m'arrêter hein, à 30 minutes. J'irai jusqu'au bout. Et là, je sais que ça prend du temps parce qu'il y a plein de choses à faire. Alors, max repousse. Il va me donner une flûte noire aussi, ça va être cool. Une flûte blanche, je sais plus. Il y en a un qui va me donner ça. Ça va être tellement cool. Hop, 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 hop. Je crois que je pouvais. Hop, la protéine. Max repousse, comme ça permet de faire un maximum de pas tranquille. Voilà, vous voyez, c'est ici. Et je ne pouvais pas monter. De toute façon, il fallait surf et il me fallait escalade. Hop là, alors attendez deux secondes, une pierre ici, c'est pas très net. Ok, c'est pas grave. Allez, on monte le mont couronné. Yes. Max repousse. Voilà, comment on se rend pour remplir les poches, ça c'est cool. Voilà, bon, ça sert à rien, mais bon, je suis content de l'avoir trouvé quand même. Allez, de toute façon, c'est un véritable labyrinthe ici. Hein. Voilà, donc ici, c'est vraiment exploration du mont couronné. Bien fait d'aller en bas moi. Parfait, une corde sortie qui ne servira strictement à rien. Il faut pas oublier que j'ai tunnel. Et tunnel permet de faire la même chose. Alors ici. Porte spéciale, vous inquiétez pas. C'est la fin, on a réussi. Non je déconne. 207, voilà. Chronoball. Oh oh. Je pense à quelque chose. Je pense à quelque chose. Et bien on va se faire le plein de Pokéball aussi. Ça c'est très important. Alors, ben je vous retrouve ici. Juste après, je vais me faire le plein de Pokéball et je vous retrouve après. Je vous montrerai le Pokémon. A tout de suite. Au revoir tout le monde. Au final, je vous retrouve ici. Ça ne sert un peu à rien. Donc j'ai acheté 36 Hyperball. Pourquoi que 36? Parce que j'en avais déjà 4, donc je voulais en avoir un chiffre arrondi, voilà. Ah non, 26, pardon. Parce que voilà, 30 ça suffit largement. Normalement là j'aurais mes chances d'attraper Giratina. Ouf. Oula, je suis trop content là. Tire un peu le max. Ah, les débris là-bas, c'est la suite. On va rencontrer notre ami. Notre ami. Salut Beladonis. Regarde-moi un peu ce trou. Avant il y avait là
un mur avec une peinture rupestre bloquant l'accès au sommet. Mais le mur a disparu, il a été brisé en petits morceaux, tu vois. Depuis que les trois Pokémon l'accusent, je ne sais pas de quoi il retourne au juste, mais quelque chose de terrible est en train de se produire. Il n'existe qu'un seul responsable, Helio de la Team Galaxy. Nous ne pouvons plus faire marche arrière, autant avancer. As-tu assez d'expérience pour y arriver? Montre-moi. Ah, tu peux te détendre à présent. Je comprends tout désormais, tu as bien plus de talent que moi. Tout comme les commandants Helio, bien entendu. La Team Galaxy est trop forte pour moi, tu dois les arrêter, tu es la seule personne à être capable. Tout ce que je peux faire, c'est te donner ceci. Vous inquiétez bien autant. Ouais, une flûte noire. Alors ça, c'est très intéressant. Mais fin aux excitations de Galaxy. En fait, ça permet de repousser les Pokémon. C'est un peu quand un max repousse, sauf que c'est tout le temps. Mais c'est pas si efficace que ça. Hein. Enfin, ça les repousse, mais il y en a toujours qui peuvent apparaître. Genre, enfin, je sais que c'est pas la suite. Dans les pierres, voilà, ça se comprend. Oh, j'ai des trucs à vendre d'ailleurs. Morceau étoile, là ça se vend cher ces trucs d'un genre. Ok, c'est bon. Alors là, je me suis complètement surprendre. J'avais pas fait gaffe. Les max repousse, j'utiliserai aussi dans la route victoire parce que voilà, j'ai pas envie de toujours me. De combattre contre ces gens là. Yes, parfait, j'ai pile le bon niveau pour eux. Parfait, je suis content. Je suis trop content. Donc voilà. Voilà, donc là c'est maintenant que ça commence, on va dire, le vraiment couronné. La vraie route pour le sommet, hein, parce que là il y a la Team Galaxy. C'est tout, finisse. Ah, ça va pas me plaire, ça. Ça va pas me plaire. Alors, Torterra... toi, Tor, tiens. Je le sens bien. Allez, on continue. Raté. J'hésitais à mettre Luxray comme par hasard. Je me suis fait avoir. Il a gagné. Moi j'ai perdu. Yeah. Ou quoi? Regarde noir qui te fait perdre ton temps, mon petit gars. D'ailleurs, un truc du genre grêle ou tempête de sable. On va vraiment servir là. Mais bon, pas grave, je te tue quand même. Allez, lui par contre il aime bien. Non, t'y arriveras jamais. Et nous voilà dehors. Ouah. Et oui, repousse marche aussi dans les herbes, donc je peux courir comme un petit foufou, T'as la musique par contre. Putain, cette musique. D'accord, alors en fait vous avez le choix. Si vous passez à l'intérieur, d'accord, en plus il n'y a pas de... Alors je pense ça, avant je savais pas où c'était parce que il neigeait un petit peu en fait. Et ben, je croyais que c'était de la neige. Alors, je fais des tests, hein. je découvre. Alors ici il y a une cascade. Ça je m'en souviens très bien. En haut il y a des objets et il y a un autre truc à prendre aussi. Mais je sais plus ce que c'est. Voilà, donc la suite elle est là. Ah, je me suis fait avoir. Non, je déconne, c'était fait exprès pour récupérer les objets. En même temps, c'est pour aller là-bas. Allez, on retourne dans la niche. Bon, par contre, normalement, c'est la même chose que dans Pokémon version Perle. Hein. Allez, remets-moi ce pouce là. Putain, les classes, elle classe la musique. Je la kiffe. Là, donc là, vous dévoutez de ce qu'il y a ici. Oui, grâce à ça, je peux récupérer ce genre d'objet. Tadam! La blague. Perte de temps. Ça fait déjà 11 minutes. Waouh. On va dire 10 minutes, mais 10 minutes parce que c'est vrai que j'ai acheté des Pokéballs. Voilà, donc la suite est ici.
Il y en a ici. Alors, passe sac. Là, cette fois-ci, je sens que ça va être un Pokémon type combat. Notre heure approche, l'heure de notre victoire absolue. Nous te renverrons dans le tortue de Je vais jusqu'à des Pokémon. J'ai pas de chance, j'ai pas de chance. Waouh, niveau 40. Maintenant c'est bon, c'est le bon niveau normalement. Très bien, très bien. Tu oses m'attaquer, alors tu beurs. Je le bouge avec Aeropi quoi. Je me sens tellement puissant. La puissance. Le changement de Pokémon. Alors, c'est un type feu. Je... Ok, bon, ben Lucario, c'est pas grave. Allez, come, Lucario. Come, come, come with us. J'aurais pu mettre Torterra. Enfin, hein, il te expère un peu Lucario aussi. Vous voyez, il l'a rattrapé, hein, il n'a plus qu'un niveau d'écart avec les plus bas niveaux après. Donc c'est très très bien. Je suis très content de mon Lucario. Je change de Pokémon, malheureusement c'est pas grave. Allez, je crois qu'il y aurait un autre Malus. J'aurais pu mettre Torterra ou Carnage. Ouh, c'est vrai, je l'avais oublié celui-là. Incroyable, tellement rapide, tellement pour XP. Une attaque, non, pas d'attaque, malheureusement. Allez, c'est parti. Go, go, go. Voilà, donc vous voyez ici, il y a une grotte en haut. Il y a des objets à récupérer, puis il y a une radio. Et je sais plus, il y a un Pokémon en parlant. C'est Célibi, je crois. Non, c'est pas Célibi, c'est un truc dans le genre, je sais plus. Alors, il faut se dire, cherche, je vous dirai ça. Alors, les Pokémon XP en prix sont Torterra, Karmash et Lucario. Ok. Mustaflood, hein, on s'en fout. C'est le Pokémon pour surf, cascade, éclat rock et force. Wouah, 4 CS, je suis un fou. FPS, désolé. C'est revenu. Il est mignon. Tellement puissant. C'est à cause du poison normalement. Là, c'est bien. La sphère elle tourne. Change de Pokémon. Carnage. Non, pas de Draco Météor encore. J'ai dit non. Pas maintenant. Ça sera à la fin, vous verrez. Ne vous inquiétez pas, je vais en lancer une fois là. Ça sera. Elle est surpuissante, cette attaque, je la kiffe. Elle est Dragon Griff. Ouah, il a tenu. Mais est-ce qu'elle te tuera? Oh non. On a mangé des antidotes et trucs dans le genre. Oh, ça me dégoûte ça. Ça critique tout le temps, et je sais pas ce qu'ils ont. Hein. Ça est en live. Mais what the fuck? Je préfère. C'est à cause du type solière. Ben merci enfin, hein, car machin. Yes. Waouh. J'ai attendu. Yeah. Par contre, j'ai pas fait plein de potions non plus. J'aurais peut-être dû, pas grave. Alors, on va éviter de lui faire perdre des vies. Hein. On ne bouge pas d'un poil. D'un poil. Et on va utiliser des bêtes. Malheureusement, des pêchats. On va étiquette. Oh, attendez. Sucré, c'est la beauté. Yeah. Faut que je. Le pêcha, ça pourrait servir ça. Pas des super potions. Si, j'en ai vu 3. Yes. Ah non, c'est super bonbon, non.
Bon bah j'ai utilisé des potions de base. J'en ai utilisé une autre. Et une autre pour notre cher voisin. Voilà. La musique elle est classe quand même. Enfin oui, classe. Vous allez me dire qu'est-ce qui est classe dans cette musique. Est-ce que la vraie pierre est ici? Non, j'ai quand même... Je me suis gouré en fait, c'est bien ça. Alors voilà. C'est quoi ça en haut déjà? Alors voilà, donc ici je me souviens, ici j'avais pas vu cet endroit, cette entrée là. Enfin en fait ici je savais pas où c'était la suite. Wouah, je me suis fait avoir. J'étais pas prêt. En fait si je m'en souvenais plus où était la suite. Parce que là vous allez voir, il y a plein d'entrées partout. Il faut trouver la bonne. Oh punaise, c'est pas vrai, comment ça. Je me suis encore fait avoir. J'aimerais pas, à chaque fois il évite l'attaque. C'est tellement un noob. Je connais les sous par cœur. Et tout le monde s'en fout complètement, donc voilà, je ferme ma gueule. Ça me saoule ça. Pardon mais là ça me saoule là. C'est cheaté en folie sérieux. Elle va utiliser étrangère. Putain c'est vraiment gogol. Hein. Il pourrait me tuer le truc. Non non faut que j'utilise en folie. On a vraiment qu'ils font exprès pour que je gagne. Hein. Allez, sauf que bien sûr comme de par hasard, l'attaque est surcheatée. Pardon mais là ça me saoule là. Confusion d'habitude, ça ne fait pas ça, puis voilà, là, ça se déchaîne, hein. Pas vrai, Poglyph, tiens, allez, prends-toi ça dans la face. Ça devrait suffire. Merci. De ton XP. Putain, par contre, oh là, mais Carmash, j'ai déjà... Enfin, il a déjà gagné 100 000 points d'expérience au total. C'est impossible à l'XP ce Pokémon, super compliqué. En fait, je pense que c'était ici la suite, mais en fait, pas du tout. J'ai fait. Oh, oh la téléportation! Je me suis retrouvé devant la meuf comme ça, quoi. Oh, j'ai bugué. J'ai fait la paire des FS et puis d'un seul coup, boum, je me suis retrouvé devant la meuf normale. J'ai rien compris ce qui s'est passé. Pas de Draco Météor, j'ai dit. C'est-à-dire que vous le ferez pas encore. L'heure n'est pas venue. Quoi que je le hausse. Allez, donne ton XP. Yes. Non, ça va suffire pas, je suis sûr. Putain, c'est blague. Allez, à toi, tu le cario. À toi d'XP un peu. Ils sont tous niveau 45, sauf Carmash et Torterra. Ils sont super. Torterra va être super chauffeur XP avec la Team Galaxy. Hein. Faudra que je le fasse autre part. Allez, Draco Griffe, hein. Ça c'était le même niveau que l'autre, normalement j'étais hausse. Normalement. Parfait. Voilà, et je... Yes, niveau 45. Voilà, je suis bientôt à la moitié. Et d'ailleurs, en y repensant, on arrive bientôt aussi à son évolution. C'est pour très bientôt. Ignark. Oh, je l'avais oublié celui-là. D'accord, en fait, donc la suite est là-bas. Vous savez quoi, on va utiliser la... Tada ! Pet Pesic ! Tada ! Je suis un fou. Pouah ! Yeah, je m'en fous de ça. Alors là où il y a des trucs, faut utiliser la troc, normalement il y a quelque chose derrière. Ah, parce que ça,
ne sont pas posés comme ça, désolé. Frappe, ça a sauté en bas, puis il est revenu tout seul. Bon, ben, comme avant, je suis fier de lui. D'accord, je me suis fait avoir, donc ici, il n'y a rien, comme par hasard. Et celui-là, il n'y a rien non plus, j'en suis sûr. Avec la chance que je vais avoir, hein. Bah oui. Bah oui, bien sûr. Plus besoin. C'est fini. On a fini, on a fini. Alors. On va aller voir la liste des Pokémon encore en liste. Ah non, alors ici les 4 heures en vrai, bah, ça servait à rien, c'est au cas où si on aurait longé le truc. Et je crois que s'il nous prenait, comme ça on serait bloqué. D'ailleurs ça me fait chier. Oh putain, je me suis fait avoir. Oh c'est R. Ça m'étonne pas que c'est pas puissant, enfin soi-disant que c'est pas puissant. Ben oui, soi-disant. C'était beau là. Vous avez vu? C'était même pas un coup critique. Et oui, puis il me dit en plus après. Oui, non, mais c'est pas très efficace pourtant. Mais il va se fermer sa gueule celui-là. Il va fermer sa gueule. Je crois pas ce que c'est anticipation. Allez. Voilà. Au prochain s'il vous plaît, au prochain. Ça fait tellement chier. Ah voilà, c'est déjà mieux. Vous pouvez le carré voir. Ouh, le cycle up. 45 hier. Tellement puissant. Voilà. Attaque, pas d'attaque. Oh, putain, là, elle est là. C'est de justesse, ça veut dire le up. Je tente. Ok, ça fait 23 minutes que nous sommes. Enfin, 22 minutes à peu près, on va dire. On va dire 22, 23. Non, 23 minutes au final, c'était. Que nous sommes ensemble. Là, il y a quelque chose, c'est obligé. Si on peut pas foutre des éclatrottes comme ça, hein, aucune utilité. Faut qu'on leur apprenne l'utilité de faire ça. Ah oui, ça peut être en dessous aussi. Ah ben non, c'est là. D'accord, en fait, c'est là-bas la suite. Ouais, la suite, c'est là-bas. Donc, je retourne dehors. Il y avait d'autres choses, je sais pas si on se souvient, il y avait d'autres trucs d'escalade. Ah, on va explorer. Moi j'oublie. Allez, encore un autre pouce, parfait, ça part doucement. Ah, je l'avais prévu. Je me suis pas fait avoir. Voilà. Mais ça, je suis dans l'année, je comprenais pas pourquoi. J'ai rien compris. Ah ben voilà, en fait, donc c'est pas la bonne route là-bas. Parce que la vraie route, elle est ici. J'ai vérifié. Enfin, là, je l'ai pas fait exprès, on va dire. C'était pas voulu. Voilà, ça, c'était obligé. Parce qu'une route qui mène à rien, ça ne veut rien dire. Voilà, je fais des petits tours. Très bien, on peut y rien ici, on dit rien. Oh putain, c'est parti vite par contre. C'est parti vite celui-là. Non mec, qu'est-ce que je fais moi, c'est pas là. Ici, s'il te plaît, du respect. Du respect je veux. Là, je repasse en haut, parce que c'est dans la pierre d'avoir quelque chose. Une pierre toute seule, c'est pas normal. Tout à fait. Ouh, pierre lune. Je sais plus à quoi ça sert cette pierre. Quelle évolution. Pas grave. Attends, allez, ça fait déjà 25 minutes, donc ça veut dire que normalement l'épisode devrait bientôt se finir.
Levez-le, plus de mystique. Taillou. Non. Alors attendez, je vais voir ce qu'il y a dans les trucs. De toute façon, le repousse va bientôt partir, ça j'en parie, je parie. Je découvre, hein, enfin je découvre, voilà. C'est la première fois que je fais ça. Yes! Dans le médicament, j'ai cool ça, je gagne des objets gratos. On va faire comme si je n'avais pas vu ce truc. Ok? Ça marche, hein? Vous êtes d'accord avec moi? Moi, je suis complètement d'accord avec ça. Faire comme si on n'avait pas vu l'escalade. Parce qu'en fait, depuis le début, j'aurais pu perdre... Je veux qu'un Pokémon allait apparaître alors que j'ai fait juste un pas sans repousse. Là, je lâche pas, là, j'aurais dit dégueu. Étoile, fait toujours plaisir. Allez, la suite, je déconne. Tu as tout à fait raison, j'ai perdu ma route et pour de bon, ne fais pas tout soin à moi, je ne suis qu'un soupir. Alors, en fait, ici, ah là, c'est ça. En fait, là, celui-là, en fait, on peut pas le faire. Maintenant, je m'en souviens, c'est parce que je me disais, lui, il est pas là, il bloque pas la route pour rien. C'est qu'il y a quelque chose derrière, mais je ne peux pas y aller parce que... Enfin voilà quoi, c'est pas maintenant que je peux y aller. On y retournera, hein. Je sais même plus ce que c'est en fait, pour vous dire. Pour tout vous dire, je ne sais même plus ce que c'est. Bon ben voilà, allons à la vraie route maintenant. On va placer celle-là. Au plus vite. Allez, c'est parti. On arrive bientôt à la fin des 30 minutes. Ah, c'est bon, on arrive à la fin, je m'en souviens de cette route. On monte ensuite, voilà, c'est celle-là, on arrive. Et ben, en fait, l'épisode fera pile 30 minutes. Waouh, j'aurais géré en fait. J'aurais géré. Et vraiment, je m'en rappelle un petit peu mal de ça, hein. Je crois que c'était beaucoup plus long. Ah oui, non, c'est vrai que je l'avais jamais fait, c'était la première fois, et je m'en souvenais plus trop des routes. Ceci est normal en fait. Allez, redonne mon XP, voilà, enfin mes PV plutôt. C'est bien gentil de ta part. Alors, qu'est-ce que je fais? Ouais, non, on va pile laisser 30 minutes, hein, au final. Enfin, voilà, je vais faire les coups, je vais fuir la grotte. Et puis quand j'arriverai en face de l'entrée pour aller au sommet, et bien, je m'arrêterai. Comme ça, voilà, l'épisode dépassera pas trop. Pas dépasser les 40 minutes, c'est cool ça. La blague, non, c'est pas une blague, Séisme. Faire mal ça. Quoi? Ça m'énerve. Parfait. Ça aura suffi. Partager l'XP, Torterra, faut partager l'XP à Trunkario. Enfin bon, partager l'XP vu ce qu'il va me donner, hein, ça va pas être intéressant du tout. De toute façon, on sent bien qu'on arrive bientôt, hein, parce que vous allez voir, il va y avoir des tonnes de sbires. Enfin, il y en a beaucoup à la suite, on va dire. En fait, j'ai bien fait de faire les combats tout à l'heure, parce que c'était pas du tout la suite. Ça, je joue pas de combat. Yes. Hop là. Non, t'étais pas censé perdre ma petite. Je t'explique l'histoire, tu vois. Moi je dis parfait parce que l'épisode va faire pile 30 minutes, enfin va faire 30 minutes hein, au final. Le temps que je fais d'habitude. Voilà, en fait, le mont couronné pas clé en 30 minutes. C'est cool. C'est cool, c'est cool.
Ouais, je vais faire tout de suite l'épisode 35 juste après. Ouais, l'épisode 35, je vais le tourner juste après. Comme ça, voilà, je perds pas de temps. J'ai vraiment envie de continuer l'aventure. J'ai envie de capturer l'X-Ray. Giratina, pardon. J'ai trop envie de les capturer. Je capturerai tous les Pokémon légendaires du jeu que je pourrais avoir. Voilà, c'est dit. Je le ferai. De toute façon, c'était déjà décidé depuis le début. Hein. C'était pour savoir quand est-ce que je choisirai la fin. Parce que voilà, on peut pas trop savoir. Puis voilà, là c'est bon. Alors je monte, je vérifie quelque chose, hein, vous inquiétez pas, 32 minutes, vraiment 31 minutes à peu près. Normalement il y a un combat encore ici, ensuite il y en aura encore un autre au-dessus. Et enfin nous arriverons à destination. Allez c'est parti. Voilà, comme de toute façon hein, j'ai dit mont couronné, hein. Ensuite il y a le sommet du mont couronné, ensuite il y a le mont distorsion que nous ferons tout dans un même épisode. J'aurais dû mettre un autre Pokémon. Non, ben c'est reparti, je vais encore mourir. Hein. Comme les autres fois, c'est ça. J'espère que ça qu'on m'attaque, mon petit gars, parce que sinon je te promets, je t'explose la face. Yes, pour une fois, j'ai réussi à en battre un. Des punaises. Depuis le temps, je sors Torterra, il n'a qu'une envie, c'est de se franger sur ses. Non, c'est un mato de mes deux. En fait, je sais pourquoi ça met moins de temps, parce que j'ai utilisé le Max Repousse. Si je l'aurais pas utilisé, je vous dis que l'épisode, là, on n'y serait pas rendu, là. Hein. On serait pas rendu à ce moment-là, avec le temps. On serait rendu beaucoup plus loin derrière. Yes ! La morsure ! La méga morsure de la mort qui tue. Enfin, ma chouille, plutôt. Voilà. Parfait. J'ai tout ce que je veux maintenant. Là, c'est bon. Là, je suis fier. J'ai bon. C'est bon. Allez, c'est parti. Oh mince, j'ai perdu du temps pour le poste. L'épisode 14 de Pokémon a dû être posté là. Alors, je vais le faire après l'épisode. De toute façon, c'est vrai que c'est la fin, je suis con. J'ai vraiment du retard dans les épisodes. Hein. Je vais poster le 15. J'ai peut-être le 16 doit être posté et le 17 peut-être aussi. Ce serait cool qu'ils se postent tous en même temps. Et nous voilà arrivés. J'irai pas plus loin parce que c'est bon. Nous sommes à la fin de cette route. Petite sauvegarde imposée. Voilà, donc je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Mettez-moi un petit pouce vert, ça me fera énormément plaisir. Et je vous dis à la prochaine pour l'épisode 35. Pour le sommet du mont couronné, qui durera pas très longtemps. Et plus quand même. Épisode dédié au monde distorsion. Allez, à la prochaine tout le monde.